C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois. Elle n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse sur tant de ronds-points. C'est celle des retraités modestes, qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Mais nous avions fini lâchement par nous y habituer. Et au fond, tout se passait comme s'ils étaient oubliés, effacés. C'est les gens qui ne sont rien. C'est les gens qui ne sont rien.